c'était bien. Salam alaikum, nous venons de l'Algérie. Mourahba bikoum, moutaba'in, moutaba'at, Radio M. Fi adad lioum, akhir adad lihad al-usbou' Chta, riah, un temps griffe, en tout cas à Alger, dans plusieurs wilayas. Mourahba bikoum, ma'ana lioum. موضوعنا اليوم موضوع مراكز أو مناطق الترفيه قاعات السينما. هل الجزائريون يفضلون البقاء في البيت أم هذا بسبب نقص مناطق الترفيه؟ ما نحطوش غير على الجزائر العاصمة لكن كل ولايات الوطن. ماذا يعني ما هي مناطق الترفيه التي تختارونها عادة لسال دو سينما؟ على بالنا باللي للأسف أغلب قاعات السينما أصبحت مهجورة، المسرح كذلك في أغلب الأحيان أصبح مهجور. اتصلوا بنا قولوا لنا في رأيكم وعلاش كاين هذا المشكل تاع قاعات السينما، قاعات المسرح كاين فراغ كبير في هذه في شبه هذه القاعات. ولينا نشوفوا أنه أكثر الناس يعني الاكتظاظ يكون في لي سونتر كوميرسيو، في مناطق تجارية على عكس مناطق الثقافية والمراكز اللي فيها ثقافة والفن. سؤال هذا راح نطرحوه اليوم، اسكو لي الجزائريين سون كازانيي ولا سبب الشيء هذا هو نقص مراكز الترفيه ولا مناطق الترفيه في الجزائر؟ و سسخا لوكازيون سي نهضروا على قاعات السينما و المسارح في الجزائر وعلاش كاين هذا الفراغ، ونشوفوا اكتظاظ في مناطق اخرى كيما لي سونتر كوميرسيو كيما يعني الحدائق، وعلاش كاين اتجاه الناس لهذه المناطق وعلى عكس الفن الاماكن اللي فيها الفن. معنا اول اتصال لعدد اليوم نعيم العاصمه. اهلا نعيم. الو الو اهلا مرحبا بك نعيم في مراني ساكتين. الله يسلمك، ميرسي بور لانفيتاسيون. ميرسي ا فو دافوار بارتيسيبي. قل لي نعيم، اسكو لي الجزائريين سون كازانيي ولا ما كاش مناطق الترفيه بكثره؟ En fait, je pense pas que ça soit aussi binaire en fait. Soit on est casanier, soit il y a pas assez d'espace. Je pense que la question est beaucoup plus profonde que ça. Bien sûr. L'Algérien, il me semble que c'est un peuple comme tous les autres. C'est un peuple méditerranéen qui aime l'ambiance, qui aime sortir, qui aime se divertir. Après, est-ce qu'il y a en face des offres qui lui permettent de vivre, de sortir, de s'épanouir, de se divertir? Et quand il y a ces espaces, est-ce qu'il y a des espaces d'accompagnement? Parce qu'en fait, on a souvent posé la question des espaces, des salles de cinéma, des théâtres, des maisons de culture et tout, mais on oublie souvent toutes les parties qui doivent accompagner une vie de la cité, de la ville. Je m'explique, c'est-à-dire que quand vous dites aux gens, il y a une activité à l'Opéra d'Alger, ou là, il y a un film à la Cinémathèque, ou là, il y a une pièce de théâtre au TNA. Et que pour venir de son quartier, d'Ouled Fayet vers Alger, par exemple, il lui faut 2 heures pour arriver et 2 heures pour trouver un stationnement, il est vite découragé. Il faut aussi parler des gens qui ne sont pas véhiculés, Naïm. Il n'y a pas de moyens de transport. C'est pas assez développé, on va dire, pour ne pas dire qu'il n'y a pas de moyens. Il y a le problème du transport, il y a le problème du stationnement, il y a le problème de la sécurité, de la vie de la ville. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, en tant que consommateur de la culture, excusez-moi du terme consommateur, mais on consomme aussi de la culture. Bien sûr, ça se consomme, bien sûr. L'art du divertissement. J'aimerais bien, par exemple, quand je sors, faire une sortie avec ma famille pour pouvoir se déplacer sans trop se poser de questions, pouvoir trouver un restaurant, par exemple, après une projection ou un spectacle de théâtre, la veille d'un week-end. Si j'ai envie de prolonger, je vais aller dans un restaurant sans que ça ne me coûte les yeux de la tête. Aussi. C'est vrai. Il y a tout. C'est devenu un luxe, Naïm, passer une soirée, aller au théâtre, ensuite aller se faire un petit restaurant avec sa famille ou sa compagne ou son conjoint. C'est vraiment un luxe en Algérie, Naïm. Soit on laisse toutes ses économies. Tout à fait. Soit aller dans un resto, mais on n'est pas très sûr de la qualité de ce qu'on nous propose. Enfin, c'est tout ça. C'est en fait. C'est pas uniquement est-ce qu'il y a assez d'activités ou est-ce que les gens vont sortir.
il faut mettre en place toute la dynamique autour de la ville, grande ville en Algérie. Vous savez, c'est très simple. La réalité, elle est là. Constantine, deuxième, troisième, quatrième ville la plus importante en termes d'habitants en Algérie, il n'y a pas de salle de cinéma. Qu'on se le dise. Ouais. Là-bas, c'est la même chose. Après, quand... C'est un drame pour moi, Naïm. C'est un drame pour moi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est... L'absence est de salle de cinéma dans une grande ville comme Constantine. Ou... Salle de cinéma, déjà, on a un seul théâtre digne de ce nom. C'est le TNA. Mais le TNA a été construit quand Alger avait des centaines de milliers d'habitants maintenant. Et on est des millions à habiter cette capitale. On a un seul théâtre digne de ce nom. On n'a pas de théâtre. Après, bien sûr, il faut aussi privilégier aussi des infrastructures de proximité. Alger des années 90 n'est pas Alger des années 2020. Il y a toute une partie de la ville qui a pris une expansion incroyable, mais qui n'a pas en matière, en termes d'infrastructures culturelles, pas que culturelles, mais là on parle de culture, il n'y a rien qui ne suit. Il n'y a rien qui ne suit, vous allez... Naïm, je ne sais pas si vous avez remarqué, on remarque plus, en tout cas si je parle des grandes villes, ou notamment Alger, les gens se ruent plus vers les centres commerciaux que vers les maisons de culture telles que les théâtres et les salles de cinéma. Ben, c'est normal, parce qu'en plus de tout ça, il y a aussi l'aspect promotionnel. Oui. Les centres commerciaux, et il y a de la promotion autour de ces centres, des marques qui existent, des magasins qui existent. Vous avez de la publicité. Mais pour les activités culturelles, pour le divertissement, on n'a pas ça. On n'a pas aussi cette attractivité par la promotion, par la publicité, par le marketing, vous savez, il y a toutes les promotions qui se font. Sur les marques à coups de pubs incroyables. On vient partout maintenant. J'imagine que sur votre téléphone, vous recevez des notifications. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous recevez des notifications de remises incroyables sur des produits et tout. Mais ça, vous ne l'avez jamais. Vous l'aurez peut-être un jour, mais on ne l'a pas encore sur les produits culturels. C'est vrai. Aussi, c'est normal. C'est-à-dire, on ne va pas accabler le consommateur. Le consommateur, il est là, il suit ce qu'on lui propose et tout. Après, pour que le consommateur devienne acteur, de sa propre gestion de son temps, il faudrait qu'il soit accompagné. Il faudrait qu'on ait une vraie, encore une fois, une vraie vie de ville. C'est-à-dire, celui qui a décidé de vivre en ville, il a décidé de vivre en ville parce que la ville lui offre des choses. Si on habite un village, on ne peut pas dire pourquoi il n'y a pas de théâtre dans mon village. Ça va de soi, en quelque sorte. Oui. Si on décide de vivre à la montagne, on ne va pas dire pourquoi il n'y a pas de salle de cinéma dans ma montagne. Ça va de soi, parce qu'on a décidé de s'isoler. Mais quand on a décidé de venir dans une ville... C'est pour bénéficier des commodités d'une ville. C'est justement pour pouvoir bénéficier de tout ça, faire bénéficier ses enfants, vivre la vraie vie de ville, c'est-à-dire qui offre des commodités, qui offre du divertissement, de la culture, de l'accès à la culture, de l'accès à l'art. Voilà, c'est à mon avis, c'est un avis d'organisateur d'événements, mais c'est un avis de citoyen. À mon avis, il faut tout mettre en place en même temps, vraiment, les transports, l'éclairage. La sécurité surtout, la sécurité dans les transports et dans les rues. On parle d'éclairage. Vous savez, à Alger, il y a des endroits, si vous voyez par exemple, il y a quelques jours, il y avait un festival des journées du cinéma européen à la Cinémathèque d'Alger, qui est à la rue Ben Mehdi. Ben, il a fait très très moche, il a plu et tout. Je pense que la salle, il y aurait eu plus de monde si on avait un vrai transport en commun. Parce que les gens, ils savent au préalable qu'ils ne vont pas trouver un stationnement. Ils savent que s'ils doivent stationner à 15 minutes, faire 15 minutes sous la pluie pour aller voir un film, c'est pas évident. Mais s'il y a du transport en commun qui ceinture la ville, eh ben les gens ils vont venir. Déjà quand il y a un transport en commun type métro, mais un vrai métro qui ceinture la ville, parce qu'actuellement le métro d'Alger,
ne dessert qu'une partie de la ville, s'il desservait beaucoup plus, vous avez déjà la maîtrise du temps. Vous terminez le travail à 16h30. S'il y a un film à 18h, vous savez que si vous prenez le métro de 17h20, vous serez à tel lieu à 17h30 oui, ou à oui. 17h40. Vous avez la maîtrise du temps. Mais quand vous n'avez pas la maîtrise du temps, vous n'avez pas la possibilité. Vous vous posez la question déjà. En fait, les contraintes commencent avant d'arriver. C'est-à-dire la contrainte, encore une fois, du stationnement, la contrainte de la sécurité, la contrainte de l'éclairage, la contrainte de la restauration. Dès que vous commencez à réfléchir en termes de contraintes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester chez vous, vous allez mettre la télé, vous allez mettre Netflix, vous allez voir des films. Et vous allez par la suite penser que vous êtes en train de consommer de la culture et de l'art, ce qui est vrai. Mais on oublie souvent que voir une pièce de théâtre dans un vrai théâtre ou un spectacle dans une salle de spectacle ou un film dans une vraie salle de cinéma, c'est aussi un acte de sociabilité, c'est-à-dire on construit des choses avec des anonymes. C'est ça la chose la plus importante. Vous pouvez aller voir un film où il y a 200 spectateurs dans la salle et vous ne connaissez pas les 199 autres, mais vous vivez un moment, de partage avec les 199 oui. Narim, et vous ne le connaissez pas. Oui, Narim, vous organisez des événements. Vous organisez quel genre d'événements en Algérie? Moi, il m'a été donné d'organiser des projections, des spectacles de musique, des spectacles aussi pour les enfants. Et ça suscite l'intérêt des Algériens ou pas? L'intérêt existe. L'intérêt parfois est très vite réfréné par toutes les difficultés, mais l'intérêt existe. En fait, l'intérêt ne peut pas ne pas exister, parce que l'Algérien est un être humain comme tous les autres. L'être humain est demandeur de ça. Il est vraiment demandeur. Après, la différence entre l'Algérien et le Japonais ou le Suédois ou le Français, c'est ça, c'est quel est le raccourci, quel est le chemin qui va nous mener de chez nous ou du bureau ou de la maison vers le lieu de divertissement. Et ce raccourci est défini par les commodités, donc le transport, la sécurité et surtout les tarifs de ces loisirs. Merci beaucoup Narim d'avoir participé. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. مازلنا دائما على مرنا الساكتين تحدثنا مع نعيم على عدة نقاط مهمة نظن هي اللي تخلي الناس ربما ما يروحوش لمراكز الترفيه وكاين نقص كبير في الجزائر في مراكز الترفيه هي الامان دونك لا سيكوريتي لي تاريف الاسعار ولا ثمن هاد مراكز الترفيه وخاصه لي مويان دو ترانسبور دونك النقل وسائل النقل العمومي اللي ما راهيش متطوره سوفيزامون في الجزائر اللي ربما تخلي الناس ما يخرجوش كثيرا وما يروحوش لهاد المراكز الترفيه وما يكونش عندهم اهتمام لهذه المراكز. مثلا دائما متواصلين على 077 77 98 تصلوا بنا نروحوا لفاصل موسيقي ونعودوا نبقوا معنا. نقرا تعليقاتكم حول الموضوع. موضوع اليوم منور مراوي قلنا لي زيسباس دو ديفيرتيسمون سون رومبلاسي بار لي بواط دو نوي اي لي ميزون دو بروستيتوسيون. كومون فوليفو كو لي جون سورت دو لور ميزون؟ Je ne peux pas avancer de tels propos. Il faut des statistiques, il faut vérifier ces informations. Menjehtou, ce sont Nadir, Khalil, et Oyekolna, pourquoi tu nous parles de culture en permanence? Les gens sortent, ne sortent pas forcément pour se cultiver, on veut se divertir. Et bien aussi, on peut se divertir en consommant de la culture. Nadir, Khalil, voilà. Ma'ana était sale, mais n'a pas de haddad. Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Bonjour, Missipsa. Bonjour, bonjour. Alors, Missipsa, c'est le prénom ou le nom de famille? Le prénom. C'est le prénom, d'accord. Très joli prénom que je ne connaissais pas d'ailleurs. Ah ben, ce n'est que le fils de roi Massimi. D'accord. Allô? Je vous entends très mal par contre. Attendez une minute. Rapprochez-vous de votre cellulaire, s'il vous plaît. Vous êtes là, Missipsa? Oui, je suis là. Alors, on parle aujourd'hui de culture. Est-ce que les Algériens, est-ce que vous pensez que les Algériens sont casaniers ou parce que où il y a un manque, il y a un réel manque des espaces de divertissement et de culture, hein? Quand on parle culture, on parle des salles de cinéma, les théâtres, etc.
Ben, je pense qu'on devient casanier malgré nous. Mm-hmm. On le fait pas de gaieté de cœur. D'accord. Il y a plus d'espace, il y a plus où aller, il y a pas de théâtre, il y a pas de cinéma, il y a pas de spectacle, il y a pas d'endroit vraiment où une personne peut. Je ne sais pas comment vous dire, mais ça n'existe pas. Je pense que par rapport aux années 70, bon, je suis jeune, mais quand on me raconte un petit peu comment elle vivait à l'époque, mm-hmm. vraiment, ça se diminue de plus en plus. Donc, les gens, ce que je voyais tous les jours, les gens sont beaucoup plus attirés par les magasins, par les centres commerciaux, par l'achat, quoi. Il n'y a pas vraiment des endroits de divertissement, je ne pense pas. Donc, forcément, on devient casanier, je pense. On le devient parce qu'il y a un manque de commodité, le transport, la sécurité, les tarifs de ces espaces de divertissement, non, Miss Ipsa? Oui, il y a plusieurs raisons. Comme vous dites, le transport, il n'y a pas de sécurité, surtout dans les transports en commun. Les gens ne prennent pas vraiment le risque de se déplacer, surtout sur Alger. Bon, je ne pourrais pas parler d'autres villes, je ne connais pas, mais sur Alger, je pense que c'est ça. Donc, les gens ne prennent pas le risque de se déplacer, vu l'insécurité au niveau des transports en commun, vu la cherté, avec peu d'endroits, par exemple, de cinéma, et te propose un film à 500 dinars ou un spectacle à 600 dinars, par rapport au pouvoir d'achat des Algériens, je pense que c'est exorbitant quand même. Moi, je ne pense pas que c'est par rapport peut-être au tarif de ces salles de cinéma, mais toutes les dépenses autour du déplacement. Donc, il faut prévoir les moyens de transport qui ne sont quasi inexistants. Il faut prévoir un taxi ou peut-être un parking pour se déplacer. Sans parler aussi de est-ce que, comme a dit le premier intervenant de aujourd'hui, il a parlé de les restaurations aussi, après ou avant l'événement. Donc, tout ça, je pense que ce sont des contraintes. Oui, tout ça présente des contraintes pour qu'une personne puisse quand même chercher un endroit de divertissement ou passer un week-end ou je ne sais pas. Donc la cherté, comme vous dites, de la restauration, des tarifs, de films ou de spectacles. Et il faut prévoir, comme vous dites, des taxis. Si vous prenez... ça reste un luxe, hein? Bien sûr. De mon expérience, j'ai passé récemment... l'examen de Delft, on m'a posé des questions sur des thématiques que je ne connaissais pas. Pourquoi? Et parce que je n'ai pas eu accès à ces thèmes. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de spectacle. Même les associations, elles ne sont pas actives. Bien sûr. Les associations culturelles, il n'y a pas de café littéraire, il n'y a rien. Surtout pour les jeunes. Pour les jeunes, il n'y a pas où aller, il n'y a pas où se réunir, où se rencontrer, où discuter, il n'y a pas. Sincèrement, il n'y a pas. Bon, je dis ça, là, je parle d'Alger. Hein. Mais par contre, je vous donne l'exemple de mon village. Oui, vous venez de quel village, Miss Ipsa? Je suis Diwakoran. Diwakoran. Ça me dit quelque chose? Diwakoran, c'est juste Tahtikjda. Tahtikjda, oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Donc, j'étais jeune, j'étais membre d'une association culturelle. Toute la semaine, le week-end, forcément, il est animé. On ne discute pas. Donc, le week-end, c'est très animé. Mm-hmm. Les jours de semaine, on fait deux rencontres, soit culturelles, soit scientifiques, soit on fait des projections, des films, des spectacles. Des galas. Bah c'est beau ça, c'est très bien. Vous venez de passer sur la sonnerie d'attente la chanson d'Ali Amran. Oui. Figurez-vous que Ali Amran, son premier gala en Algérie, c'était à Iwakoran. D'accord. Nous, il avait invité. D'accord. En 2006. Oui. Est-ce que ça se fait toujours, Miss Ipsa, ou... Comment? Actuellement, est-ce que ces rencontres se font toujours ou pas? Toujours. Très bien. Même quand j'étais à l'ENA, l'École nationale de l'administration. J'étais étudiant à l'ENA, l'École nationale d'agronomie,
J'étais membre du conseil d'administration en étant étudiant, mais la scène, elle était animée. Les associations, on avait quand même 4 associations. 4. On avait la Green Sound, on avait des associations culturelles, on avait tout. Ça s'anime. Je voulais te dire, même les gens ne sont pas vraiment intéressés. Par exemple, moi-même, je vous donne mon exemple. Vendredi, je ne sors pas. Je lis, je reste à la maison, je lis, et puis voilà. Le samedi, j'essaie de faire de la charité. Des associations que je connais qui font de la charité, donc je visite, j'essaye d'aider. Mais c'est très bien, monsieur Pissa. Sinon, ce qui me reste, je fais le tour des librairies. Ouais, voilà. Oui. Merci beaucoup, monsieur Pissa, pour votre participation. Et à vous aussi. Ben, je vous souhaite un excellent week-end. Merci, au revoir. Au revoir. مازال دائما على مرانش سكتين alors la Nora Mezali elle dit hélas la nouvelle Algérie n'est pas aussi attirante où tu vas tu risques de tomber dans la foule qui ne sert à rien العديد من التعليقات حول موضوع اليوم نحاول نقرا un maximum de commentaires كذلك Nordin سكالو يقول لنا les lieux de distraction en famille sont trop chers comme les cinémas où les gens cherchent j'ai pas compris votre verbe se distraire s'enfermer surtout dans les petites villes alors les gens restent chez eux كملوا اكتبوا لنا en commentaire ولا عيطوا لنا على 077 77 66 98 دائما للحديث هل كاين suffisamment مراكز ترفيه في الجزائر ولا لا ولا هل الجزائر كازاني الجزائريون يفضلون البقاء في البيت وماذا عن كل ما يلزم النقاط المهمة اللي تخلي الناس يخرجوا ويروحوا للمراكز الترفيه هي Donc la sécurité, أول نقطة وأهم نقطة. Donc les tarifs ou la thamen هذا المراكز الترفيه thamen أو التسعيرة تاع هذا المراكز الترفيه ونقطة أخرى مهمة هي النقل العمومي وسائل النقل للوصول لهذه المراكز. ما زلنا دائما على مرانش ساكتين نروح لفصل موسيقي ونعود نبقى معنا. اهلا بكم مره اخرى متابعين متابعات غاديو ان في استوديو انيس حمزه شلوش موضوع او حصه مرن الساكتين معنا اتصال من عند بالقاسم مصطفاوي استاذ جامعي في الصحافه وعلوم الاعلام اهلا استاذ اهلا مساء النور مساء الانوار مرحبا بك معنا الله ينورك الله ينورك ربما نطرح لك سؤال حول غياب الناس ولا غياب الجزائريون من قاعات السينما والمسارح ما هو يعني ما هو السبب في رايك استاذ لانه ولينا نشوفوا اكثر الناس يروحوا لي باغ اكزومبل لي سنتر كوميرسيو دونك للتبضع ونشوفوا انه دور السينما قليل يعني الحضور تاع الناس مقارنه بهذه الاماكن Bien, si vous le voulez bien, je vais répondre d'une façon globale. Bien sûr, allez-y. Il y a comme une vacuité, il y a comme une vacuité du temps sociologique, on va dire. Mm-hmm. Ces années, les décennies que nous vivons, et singulièrement les années-ci, les personnes humaines dans le monde, elles se retrouvent d'abord dans le monde, avant que nous arrivions chez nous, très très rapidement dans le monde. Mmh. Il y a le passage des industries culturelles vers la culture numérique, Internet. Oui. On dit les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, c'est un vrai passage de temps sociologique, je vais l'appeler, entre les industries culturelles et la culture numérique. À partir du smartphone, on croit accéder à la culture, alors qu'auparavant, il fallait aller dans une salle de cinéma. Ça, c'est le temps mondial, on va dire. Oui. L'Internet a bouleversé les données des activités culturelles, de la création culturelle, des usages de la culture, de la vie culturelle, tout simplement, on dit. Ce bouleversement-là, l'Algérie l'a subi trop rapidement. Les nations du monde
qui ont été dans le développement économique, politique, culturel, ces nations du monde, c'est les pays du Nord essentiellement, et des pays d'état de droit, pas aux états, de l'endroit. Les pays développés, ils ont été dans leur société éduqués, on va dire. Il y a une éducation à cette nouvelle culture. Dans notre pays, tout simplement, il n'y a plus de salles de cinéma, parce qu'on va dire, c'était un épiphénomène. Il n'y a plus de salles de cinéma. Moi, j'étais... Il y a de moins en moins, je dirais, Monsieur Belkacem. On ne peut pas dire qu'il n'y a plus de salles de cinéma, parce que moi-même, je suis une grande consommatrice, et il y a des salles de cinéma, mais elles sont désertées dans la plupart du temps. Alors, il y a de moins en moins. Voilà, je vous entends très bien. Je lisais dans l'un de nos quotidiens d'aujourd'hui, Nabar, il y a une création en cours, hein, elle n'est pas encore établie, une salle plexi, multi, une salle de 1200 places, ça va devenir un complexe comme ça se fait dans le monde. Très bien. Les salles multi cinéma. Oui. Là, on est dans l'espace public physique de d'exposition de pratiques culturelles. Oui. C'est-à-dire, on sort, on va vers le cinéma, alors que si on remonte à une trentaine d'années, quarantaine d'années, il y a eu peut-être 100 fois plus de salles de cinéma qu'aujourd'hui. C'est vrai. Vous voyez un peu cette nouvelle situation qui fait que l'ancien espace culturel, on va dire, l'ancien espace de diffusion culturelle, d'accès au non pas aux produits, j'ai horreur de ce mot produits cinématographiques, musicaux, etc. Ce ne sont pas des produits, ce sont des productions artistiques, culturelles. Tout cet espace-là est venu comme à disparition dans notre pays, brusquement et brutalement. La société algérienne se retrouve, soit elle est connectée, y compris via les smartphones, essentiellement vers les produits. Là, ce sont des produits, les produits culturels du monde qui sont déversés du nord vers le sud, ou bien d'être carrément en jachère, en pénurie d'accès aux biens culturels. Mais vous pensez que Internet a bouleversé les codes et surtout la manière dont on consomme les productions, pour ne pas dire les produits, les productions culturelles, cinématographiques ou autres. Pourquoi alors dans le monde, si on fait une petite comparaison par rapport aux autres pays, malgré Internet et tous les sites et les plateformes de films et de productions culturelles, la salle ou le cinéma a toujours gardé sa place chez les gens? Oui, vous souhaitez, et je le comprends, que nous restions sur cette question précise des salles de cinéma. C'était un petit peu dans la globalité. Oui, parce que c'est une image qui est choquante de voir des salles de cinéma désertées. C'est choquant. Oui, c'est choquant. C'est choquant de signification de sous-développement. C'est choquant de signification de sous-développement. À quel point nous sommes, parce que la cinématographie, le cinéma, ce n'est pas seulement l'accès au septième art, mais c'est d'être ensemble dans une salle, et puis il y a cette, comment dirais-je, ces moments de génie entre la production d'un art sous toutes ses formes, et puis se vivre ensemble, justement, non pas cette consommation, mais se vivre ensemble, ces moments d'exposition, de ressenti. De plaisir. Une œuvre d'art cinématographique. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, c'est un peu comme les séismes. Parce que autant la physique explique les séismes, autant dans la sociologie, il y a aussi des questionnements qui rejoignent ceux des couches tectoniques.
comment dans une société ça peut aller vers le meilleur, comment ça peut aller vers le pire. Il y a eu une déstructuration, un peu comme de couches tectoniques, on va dire, une déstructuration de tout un espace culturel à partir des années de la fin, des années 60, 70, 80, etc., de cet espace culturel, parce que mon sentiment profond est que les dominants de classe, les dominants de classe sur le développement de l'Algérie ont tout fait, ont fait en sorte que, y compris et d'abord sur les questions culturelles, la nation algérienne ne se développe pas de la façon la plus démocratique, la plus ouverte vers les biens culturels. Et nous avons ces résultats-là parce que à partir de l'indépendance, il n'y a pas eu cette volonté de développer l'accès à la population vers les biens culturels. Il n'y a pas eu de politique publique de développement des biens culturels, de politique culturelle. Et il y a eu une déstructuration des structures culturelles que nous avions, singulièrement singulièrement de cinématographie, vers quasiment l'inexistence de salles de cinéma. Que ça aurait dû être dans une logique de développement social et culturel, ce développement-là, de développement de salles. Je parlais tout à l'heure de cette idée de multiplex, la première apparemment à partir de Hennaba. Inch'Allah, ça donnera lieu et conséquence. Et il y a aussi de nouvelles salles de cinéma qui sont en construction à Alger, monsieur le Rassam Mostafa. Oui, je ne peux pas donner le lieu ni le nom, je ne peux pas faire la promotion, mais il y a de nouvelles salles de cinéma qui sont en construction et qui ouvriront très très bientôt. Ben, écoutez, je le souhaite qu'il y ait Allah, et puis qu'on n'entende pas que je voudrais dire que le cinéma, ce n'est qu'à partir de salles de cinéma. Les biens culturels, c'est à partir, bien entendu, de l'industrie, de toute la culture. Bien sûr. Par contre, Internet, je suis contre le fait que nous ayons des gouvernants qui soit plutôt contre la culture. Il n'y a pas de politique publique de développement culturel. Ou plutôt, il faudrait parler de volonté. De volonté de qui, madame? Oui. Une volonté politique. Il n'y a pas de volonté, justement. Il n'y a pas cette volonté politique. Et je crois que c'est ce qu'il faut pointer. Et il y a une seconde chose aussi qu'il faut pointer, c'est que, y compris Lénine, voyez-vous, je cite Lénine comme ça, l'un des principaux leaders, promoteurs, défenseurs, leaders de l'idéal socialiste, ce n'est pas la culture qui descend vers le peuple, c'est le peuple qui monte vers la culture. Mmh. Comment est-ce que le peuple, parce que la cinématographie, c'est la culture, bien entendu, comment voulez-vous que le peuple monte, la population monte vers la culture, s'il n'y a pas une politique culturelle? J'ai le sentiment profond que nos gouvernants, singulièrement cette dernière vingtaine d'années, avant le Hirak et après le Hirak, nos gouvernants se défaussent de leur responsabilité essentielle, c'est de celle-ci, et de ne pas investir de leurs devoirs. Investir de leurs devoirs les deniers essentiels de l'État, ce que nous avons dans le trésor public, d'abord, dans tout ce qui est infrastructure,
dans les infrastructures de développement culturel et dans, bien entendu, la gestion. Les gestionnaires culturels que nous avons eus toutes ces dernières années ont été dans le défaussement. Ils se sont défaussés. Tous ces festivals, toutes ces années de l'année de l'Algérie en France, oui. Constantine, etc., dans de grands opéras. On va les appeler des opéras culturels, mmh. où ça a été la curée, ça a été la prédation. Oui. Beaucoup de deniers publics gaspillés, oui. au mépris de ce que la nation attend. Attend pour comme investissement pour entrer enfin dans des biens culturels qui sont nôtres. Oui. Revigorant. Belkacem Mostafaoui, brièvement s'il vous plaît, parce que le temps de l'appel est malheureusement limité. Enam. Tfaddal Belkacem, continuez votre idée. Terminez votre idée Belkacem. Alors je termine mon idée, je souhaite tout simplement que les nations du monde développé étant entrées dans la culture numérique, mmh. Que nous cessions de barboter un petit peu dans des fantasmes, dans des tromperies de décisions gouvernementales qui ont laminé, qui ont dilapidé des biens publics, oui. depuis toutes ces dernières années, avant le Hirat et depuis le Hirat. Il faut que cela cesse pour que les Algériennes, les Algériens puissent entrer dans leur patrimoine culturel et le développer, y compris dans la culture numérique. Internet le permet. Merci beaucoup, Belkacem Mostafaoui. Merci, madame. Au revoir. مازال دائما في مرنا الساكتين في الجزء الاخير لعدد اليوم تقدروا انتم تتصلوا بنا على 0777766098 ولا تكتبوا لنا كومونتير راح نحاول نقرا كل تعليقاتكم نروحوا نسمعوا شويه فن ونعاودوا نبقاو معنا عوده مجددا لاستوديو نيس حمزه شلوش هذه المره من العاصمه مع صبرينا اهلا صبرينا الو صباح الخير صباح الخير مرحبا بك صبرينا صباح الخير فليتو واش راكم صافا صباح الخير صباح الخير معليش سا ديبون دو لوغ على كيل تنوضي فيها صبرينا بكري دونك قولي لي صبرينا وشنو هو الموين ديفيرتيسمون تاعك في الجزائر باردون اكسكوزي موا جي با انتوندو وشنو هو لو موين ديفيرتيسمون يعني واش تحبي ديري في الوقت الفراغ في لو ويكاند في لي كونجي تاعك Le moyen de divertissement, Naya Jaltou, de manière générale. C'est bien. Bon, je vis à Alger. Kain, c'est-à-dire parce que j'ai écouté un petit peu ce qu'ont dit les différents intervenants. Il y a mm-hmm. quelques endroits qui sont intéressants. Mm-hmm. Et nous, en tant qu'Algériens, on aime sortir. C'est-à-dire, on aime sortir, on aime se divertir. On est des êtres humains. Donc, c'est un besoin oui. de sortir et de voyager. Enfin, je parle de voyage. Et de sociabiliser. Absolument. Je parle de voyage parce qu'il suffit juste de regarder autour de nous. C'est-à-dire les agences de voyage, généralement, elles affichent complet pratiquement quand il s'agit, par exemple, d'organiser des voyages dans des airs algériens pour les vacances de fin d'année. Mm-hmm. Donc, attendez, excusez-moi, je crois que j'ai fait... Voilà, là, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien, Sabrina. Donc je, mis à part, moi, je voulais juste... aborder deux petits problèmes, mm-hmm. j'ai remarqué, mis à part bien sûr les problématiques évoquées par le premier intervenant, c'est-à-dire le transport, le manque de sécurité, etc. Moi, je voudrais mettre l'accent sur la promotion des événements culturels, de manière générale. Maken, il n'y a pas... Bon, maintenant, avec les réseaux sociaux, ça commence un petit peu à s'améliorer, mais à un moment donné, on dépendait de la presse écrite, et la presse écrite, elle évoquait ou elle parlait de l'événement une fois qu'il s'est déroulé. On l'annonce jamais, c'est-à-dire on ne fait jamais la publicité de l'événement, donc on ne peut pas savoir s'il y a tel ou tel événement avec l'adresse, etc. Mmh. Et puis... C'est vrai, ça c'est vrai, c'est un point très important, on communique pas assez. On communique pas assez, mmh. on, voilà, il y a ça, mais aussi je voudrais... parler du manque de structure culturelle un peu partout. C'est-à-dire, là, en parlant d'Alger, admettons, Anaya, je vais à Entaya. Pourquoi je suis obligée, pour assister à une pièce de théâtre, d'aller à Alger Centre ?
pourquoi il n'y a pas une structure culturelle, théâtrale, enfin, quelque chose dans ma commune, dans mon quartier. Mm-hmm. Pourquoi je vais me taper, excusez-moi l'expression, une heure et demie de route, aller-retour, ben, je n'hazard le masrahia qui se trouve à l'existence avec tous les problèmes de stationnement qu'on connaît, au centre d'Alger, par exemple. Ou plutôt, ou علاش في محل تما اذا تحب تجي للجزائر, ou علاش une heure et demie de route, لوكان كاين le, par exemple, le transport métro ou là, un bus ou là, mais il faut que tu te souviens de l'Alger. Absolument, absolument. Donc ça, c'est le problème de transport qui a été déjà évoqué par, par le premier intervenant. Donc, je ne voulais pas y revenir dessus. Mm-hmm. Donc, voilà. Donc, au lieu de me faire venir ou de me faire déplacer d'une commune d'Aït al-Alger centre, j'ai beau le théâtre dans mon quartier ou là, dans ma commune, dans ma région. Donc, pour, on va essayer un petit peu de décentraliser un petit peu les lieux culturels qui se trouve dans des, généralement dans le centre d'Alger. Mm-hmm. C'est un point que je trouvais intéressant à relever. Tout à l'heure, vous aviez fait la comparaison les structures culturelles et les centres commerciaux. Et c'est un constat personnel, Sabrina. Oui, 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 on le constate tous. Pourquoi? Oui. J'allais dire que c'est une impression finalement trompeuse. Parce que les centres commerciaux, il y en a combien à Alger? Il y en a 3-4. Ils se comptent sur les doigts d'une main. Oui. Absolument. Donc, c'est tout le monde qui va se diriger vers les mêmes centres commerciaux. Donc, je ne pense pas, parce que le nombre est réduit. Le Réchi, ben, les centres commerciaux. Or, non, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que l'Algérien, l'intérêt pour les activités culturelles ou là, les divertissements ou là, pour les sorties est là. Il est palpable. Mais ils ne trouvent pas les moyens parce qu'il y a des obstacles qui sont là et on essaye un petit peu de les discuter ensemble, justement, notamment par le biais de votre émission. Mm-hmm. Vous aviez parlé tout à l'heure aussi de salles de cinéma. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de salles de cinéma maintenant, même si le nombre reste très peu, très réduit. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'aimerais dire que je pense que le désintérêt ne vient pas, n'est pas en rapport avec le cinéma en soi. Je pense que c'est par rapport à l'offre qui n'est pas vraiment intéressante. Le choix mm-hmm. des films proposés n'est pas forcément au rendez-vous. Moi, j'ai constaté que généralement, sur sur les dizaines de salles de cinéma qui existent sur Alger, c'est toujours les mêmes films, un peu partout. Et sur les 4 ou 5 films, on a, on va dire, 3 ou 4 films adressés à un public jeune pour enfants. Donc, le choix n'est pas là. Forcément, ça dissuade donc le public. Je préfère avoir, je ne veux pas citer de marque, le Malabadish, en tout cas, je préfère regarder sur Internet ou la regarder sur la télé ou la télécharger un film chez moi tranquillement plutôt que de partir vers une salle de cinéma qui ne m'offre pas justement la qualité de film ou le genre de film que je veux. Mmh. C'est vrai qu'il n'y a pas de variété en termes de projection dans les salles de cinéma à Alger. Le choix est très réduit. Mmh. Et puis, ce sont les mêmes films, j'ai remarqué, qui font la tournée sur une dizaine de salles de cinéma, ou au moins. Moi, je dis 10 si je suis optimiste. C'est-à-dire, il n'y en a pas une dizaine, il y a beaucoup moins. Oui. Et puis, pour finir, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, j'aurais aimé qu'il y ait ce qu'on appelle l'office de tourisme, là, qui existe un peu partout à l'étranger. On appelle l'office de tourisme. L'office de tourisme, oui. Voilà, c'est un bureau d'information touristique qui se trouve généralement dans les villes, dans les grandes villes de manière générale. C'est un centre pour accueillir, mm-hmm. former, pour promouvoir justement le tourisme de cette ville. Un Constantinois, il habite à Alger, ou là, un aïe, il habite à Naba, ou là, il habite au sud, ou là, normalement, dans chaque ville, il devrait y avoir ce qu'on appelle ce bureau d'information touristique qui concerne les habitants locaux ou là les passants, enfin les touristes qui viennent d'ailleurs. Oui, pour guider, pour accueillir, pour informer. Et puis, ça contribue également dans la promotion justement des activités culturelles ou là des différents lieux de divertissement, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Oui. Voilà, donc j'ai essayé un petit peu de mettre le point sur quelques problématiques que moi je vois intéressantes à soulever. Et puis voilà, donc je ne vais pas beaucoup plus vous retenir. Merci beaucoup Sabrina. Merci pour le thème choisi, je vous souhaite bon courage. Merci également, bon week-end.
À vous également. Au revoir. نظن إنه قعدوا لنا دقائق قليلة قبل نهاية عدد اليوم. راح نحاول نستقبلوا آخر اتصال. بقوا معنا. نروحوا لفاصل موسيقي. آخر فاصل موسيقي لعدد اليوم ونعود نقوله. عودة مجددا لمارينا الساكتين. معنا آخر اتصال لعدد اليوم. من وين؟ ألو فوديل من كندا. أهلا. وي. مرحبا بك في مارينا الساكتين. الله يسلمك. واش راك تصافي؟ صافي تري بيان. قول لي فوديل، كنت تروح لسال دو سينما قبل ما تغادر الجزائر ولا لا؟ شوفي، من قبل ما نغادر الجزائر وما عاودت وليت للجزائر، عاودت وخرجت من الجزائر. دونك شبو بو دوني لي تخوا سيناريو و جي ان افي كي ريسومبل ان بو لي جازو قبل مني، ذاك كالكول بيمول. من قبل ما نخرج من الجزائر يا في plusieurs salles de cinéma les canaux une derrière l'autre parce que d'ailleurs on a hérité un réseau de les cinémas les canaux en France oui. Le واحد il se le cache oui. Ou une après l'autre c'est-à-dire juste un exemple c'est un bien les narbiens galco zouj canaux zouj les canaux en France في باب الواد اللي زدت انا في باب الواد يا في بليزيو سينما اوجوردي يا بي مازال لاصا اللي براتيكمون ما يفونكسيونيش ولا كاين كالكو زاكتيفيتي قلال الباقي كالكو فيلم هنوده وما صار و سي بون صادير يا با غران شوز كونت اون بارل دو كولتور ولا داكتيفيتي كولتورال اون بارل سوفون على لو سينما مي سي با Le cinéma, c'est un élément de la vie culturelle. Mais si on prend le cinéma lui-même, est-ce que qu'il y a une production, je dis dans les trous d'ailleurs, ma cage, que Bnadem, il y a qu'à dire, il y a un film, je dis, il y a un film, ou le machin, il y a un film, il y a un film, il y a des écrans télévisés, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Un film, il y a un Montréal, le film, il y a un film, il y a un film, il y a un film, il Oui. Et donc je suis connecté à ce qui se fait. L'autre chose, c'est Zaire. Et fait comme celui des Jet Jewels Home entre 2010 et 2015, je fais un seul film d'Abraham Lincoln, les restes de France à chuté. Reste en France un parti. Je fais bon, Hadjina, Washington, plein de choses au film. Je fais un film. Abraham Lincoln. Donc, l'histoire, est-ce que les gens me retrouvent ou là, on n'a pas de proposition, il n'y a pas de film, qu'il y ait des films, c'est tout ce qu'il y a. L'autre chose, le film. Chaque film algérien qui sort dans le monde. Donc, c'est les productions nationales, les productions algériennes, cinématographiques. Exact. Chaque film qui sort. شحال كاين من بياس تياترال راهي تلعب في الجزائر كاين برودكسيون تاع التياتر شحال كاين ما كانش يونا با لا رياليتي سي كيونا با كاين الفيلم تاع بن مهيدي تاع الرئيس اللي انتيردي راني نستنى وقتاش يديري باش نقدر نشوف اللي انتيردي شحال من برودكسيون شحال ما كاين والو يا ان فيد كولتورال J'ai aimé le site l'année d'une acuité. C'est un vide moral, culturel, intellectuel, tout, un vide. Et le problème, Mambad, il n'y a pas que le problème de la proposition, il y a là, le problème de l'État, le Doula, ou chez Habba, elle doit proposer quelque chose au chef. Face au vide, les gens qui ont fait des films, les films, les films, les films, les CD, les chauffeurs, les barreaux, c'est ça. Sans parler des plateformes de films. Exact. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'on a occulté un marché. Les rois, tu importes un film, tu le présentes à la population, les chauffeurs, ils iront au cinéma, tu payes l'hijab le film, et il y a un marché. On a cassé ce marché, on a voulu qu'il n'y ait le marché, et on a proposé le nas, chez les CD, par là, en noir, chauffe au fédar. Il y a une culture telle faux, les coulisses de rire, coulisses faux, coulisses. L'autre chose, le deuxième point, aucun des intervenants m'a dit, est-ce que Flemcid en forme des gens, à essayer de découvrir quelque chose. Et ça,
je pose un point, il est extrêmement important. Il est même قلناش للناس ما علمنا لهمش كيفاش يدوقوا حاجة ما ما يعرفهاش يروح يشوفها يروح يسييها جامي انا كلتيزي وقرينا ناس علمنا لهم باش يحفظ ويربرودوي واش حفظ ما قلنا لهش خدم مخك on l'a poussé à une réflexion à avoir un esprit critique c'est vrai. Curieux cette curiosité elle est bien un دوق الفن ندوقوا لا بينتور انا كنت نمشي في الجي يافي ان سونتر سونتر كولتورال فرونسي يافي دي اكسبوزيسيون شاك فوا نروح نشوف كي كنت قبل ما نروح كاع لمونريال شاك فوا نروح نشوف لهنا في مونريال سي بور تو دير بلي اوسي سي اون كولتور دو نو با ابريسي لا كولتور لي اون لا انكولتي او جون لهنايا لي زالجيريان لي معرفش قليل لي يفا بارتيسيبي ا دي زيفينمون كولتورال جو دي با ما كاش جو دي قليل Il y a même des Algériens qui ont une association de la musique andalouse. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui apprécient ça, qu'il y a ceux qui aiment ça. Mais oui. La majorité n'aime pas. Qu'il y a des cinémas là, mais qu'est-ce que vous avez le cinéma? Voilà, c'est culturel, mais ça rejouche. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est la proposition culturelle, l'école, ce qu'on a formé comme gens, et le gouvernement qui s'en fout éperdument. Le problème, c'est le batata. C'est tout. C'est vrai. Et tout ce magma-là qui fait que aujourd'hui la culture, c'est vide, c'est terrible. Mais on ne peut pas vivre en Zaïre. Mais on ne peut pas vivre en Zaïre parce qu'il n'y a aucune activité. La seule activité, c'est les matchs à ballon. Mais non, on ne vit pas que du ballon. On doit vivre, on doit apprécier la vie, sortir... Les seules sorties des les Algériens et des locaux qui comptent sur le ZR, c'est le restaurant. Rahul restaurant. Je pense qu'on devrait se quitter sur cette fameuse phrase. L'inqoloa kulha ilat jazairiya qoloa Rahul restaurant. C'est vrai. Yatek saha Fodel, vous avez relevé des points très très importants. Yatek saha al musharaka ta'ak da'ima li marana jsakten. Merci beaucoup et merci pour votre travail. Merci. Ila liqa. أيه. لحقنا لنهاية عدد اليوم شكرا لكل واحد شارك معنا لكل واحد كتب لنا كومنتار ولكل واحد حاول يتصل بنا وما قدرناش نستقبل الاتصال تاعو للأسف وقت الحصة محدود وحتى وقت الاتصالات محدود أعطيكم الصحة كلكم نعود نقول لكم نهار الحد في موضوع جديد في نفس القناة ديسي لاج وسوات ان اكسلون ويكاند إلى اللقاء